Bonjour à tous, cette vidéo est un peu particulière parce qu'on a l'habitude de vous parler des animaux, de ce qui se passe dans leur vie, jusqu'à leur départ en fait, du moment où ils quittent ce corps. Et cette vidéo est un peu particulière parce qu'on va pas parler des animaux, on va parler des humains. Parce que Laetitia a justement eu un cas particulier d'un être humain qui se prépare à partir. Donc c'est pas le grand départ, mais c'est la préparation à ce grand départ. Et tu vas nous en dire plus. Oui. Donc j'ai eu, je dirais, cette chance, on va dire, je vais dire comme ça, quoi, hein, de voir la préparation d'une âme qui doit quitter ce corps. Pas forcément demain, pas forcément dans un an, mais surtout c'est une âme qui ne résiste pas à quitter son corps et qui a décidé de quitter ce monde, donc ce plan. Elle a décidé parce que pour elle c'est terminé, elle a compris, donc ce qui fait qu'il y a eu, on va dire, pour elle le côté alarme, le côté information, mais surtout pour dire qu'il y a un changement dans son état de santé. Et pour elle, elle l'a vu non pas comme un « mon Dieu, qu'est-ce qui m'a eu », mais pour dire c'est maintenant, parce que je suis fatiguée de rester sur Terre. Elle est fatiguée, cette âme, et elle a compris qu'en fin de compte, maintenant, elle a fait tout un travail sur Terre, et qu'elle a commencé à donner des... Alors, c'est marrant, parce qu'elle montre qu'elle donne des cartes, mais elle donne des indications à ses enfants. Voilà. Elle a donné des belles indications, c'est des belles cartes de... On dirait des belles cartes de tarot. Donc, il y a, je crois qu'il a... Lui, il a 3 enfants, et il y a des cartes de tarot, dont une qui est beaucoup plus importante. Donc ça, c'est un... On met de côté. Et en fin de compte, il est en train de se préparer à quitter ce monde. Mais cet homme-là est avant tout... il aurait dû être, s'il était resté dans son pays d'origine, un roi. Il aurait dû... C'est beau. Il aurait dû s'asseoir sur son trône. Alors, ce qu'il va faire, il le sait, mais c'est en arrière-plan. Il a laissé tomber cette idée parce qu'elle ne pouvait pas s'incarner sur Terre. En tout cas sur cette terre, elle ne pouvait pas s'incarner parce que c'était pas possible. Elle ne pouvait pas s'incarner parce que ses enfants ne devaient pas vivre sous cette terre d'origine. Ce n'était pas possible. Aussi dans eux, aussi qui ont dont un a une belle carte, ils n'auraient pas pu incarner ce qu'il est en vérité. Alors ce qui fait que ben, cet homme-là, en arrière-plan, lorsqu'il dira OK. J'abandonne ce bateau, c'était comme un bateau, donc c'est son corps, il va être pris en charge, mais il commence à être pris en charge à plusieurs niveaux. Ça, c'est que ça a commencé, on va dire, au niveau causal, au niveau mental, et ça descend. Ça descend, et ses plans sont en train de se structurer. Il ne va pas arriver comme ça pour dire « qu'est-ce que je dois créer ?» Non, il a tout créé, les plans se créent au fur et à mesure de son évolution, sont créés au fur et à mesure de son évolution, et là, c'est beaucoup plus présent, beaucoup plus... condensé, on va dire, parce que je peux les voir. Et cet homme-là, lorsqu'il quittera ce plan, ils vont l'emmener sur un trône, parce qu'il doit être roi. Il faut que cette idée qui est en arrière-plan puisse s'incarner sur son plan. Donc il va arriver, il va s'asseoir sur son trône, il va réaliser qu'en fin de compte, il est roi. Ça ne va pas durer longtemps, parce qu'il ne faut pas que ça dure longtemps. Et ensuite, il va être pris en charge par d'autres êtres qui sont là et qui l'ont toujours suivi. Cet homme-là a toujours été suivi. C'est un homme qui est humble, il a toujours été humble, mais il a été toujours suivi par des grands êtres. Voilà, c'était pour... c'est une belle préparation. Et puis, et c'est bien que celui qui a reçu la belle carte puisse savoir que tout se passe bien, parce que tout est en simultané. Ce qui fait, c'est fait. Il n'y a aucun souci. Tout va glisser tranquillement sur son plan. Voilà. Alors voilà, cette vidéo s'achève. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire en bas de cette vidéo. Merci, à bientôt.